Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo test, on va dire, test et revue en même temps. Donc c'est pour vous parler, donc j'ai posté une photo sur Facebook hier. Donc c'était pour vous parler des pinceaux Neve Cosmetics. J'ai passé une commande vendredi donc pour tester ces pinceaux parce que j'ai trouvé qu'ils étaient pas chers et puis j'avais entendu beaucoup de bien sur eux. Donc j'ai envie de les tester puis de vous donner mon avis pour que vous en profitiez aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si vous voulez plus de vidéos revues, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis dites-moi sur quoi vous aimeriez des revues, que vous savez que j'ai ou quelque chose comme ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Alors donc j'ai commandé donc sur le site, donc je vous mettrai en barre d'infos, donc Neve Cosmetics, donc 4 pinceaux. Par contre moi ce sera pas pour les yeux, ce sera que pour le teint quoi, parce que le Mac il bat les yeux. Voilà, donc ils m'ont envoyé ça assez rapidement. J'ai passé la commande vendredi matin et j'ai reçu ma commande mardi après-midi, donc c'est assez rapide, sachant qu'il y a le week-end entre, donc j'ai trouvé ça assez rapide. Le service client est très très bien, ils sont très gentils. Donc m'ont envoyé ça sous, excusez-moi si je parle du nez, c'est parce que je suis malade au mois de mai, c'est super. J'ai pas été malade pendant tout l'hiver, mais je le suis au mois de mai. Enfin bref. Donc ils m'ont envoyé sous une pochette comme ça. Donc avec les pinceaux à l'intérieur, bien sûr ils étaient emballés et tout, mais bon je les ai laissés. Donc sous une pochette comme ça, avec le récupératif de ma commande quoi. Donc je vais vous les montrer. Donc j'en ai eu pour un total de 57,90€ et la livraison est de 7,90€, mais il me semble que si vous commandez pour un certain montant la livraison est gratuite, mais je suis pas sûr. Donc j'ai commandé le Magenta Sculpt comme ceci, donc pour le contouring. Donc celui-là il m'a coûté 11,90€. Ensuite j'ai commandé le Lilac Powder, donc comme ceci. Donc celui-ci m'a coûté 15,90€. Ensuite j'ai commandé le Purple Flat, comme ceci. Donc, celui-là bien sûr c'était pour la poudre et puis celui-là donc c'est pour le fond de teint. Donc celui-ci m'a coûté 12,90€. Et donc pour finir le petit dernier, donc c'est celui-là. Donc c'est le Turquoise Eye Bookie. Et donc celui-ci m'a coûté 8,90€. Donc c'est spécialement pour anti-cerne correcteur. Donc les pinceaux visage, on va dire tout ce qui est poudre, fond de teint et contouring sont plus chers que les pinceaux yeux. Ouais, voilà. Et puis donc franchement moi je trouve ça vraiment pas cher et d'une qualité énorme. Franchement, pour l'instant, moi j'utilisais beaucoup les pinceaux Bare Minerals. Pour le fond de teint, j'avais la pinceau Bare Minerals et puis il m'avait coûté aux alentours des 30€. Et franchement, celui-là, donc, je l'ai payé 13€. Et il est autant, même voire mieux. Franchement, hein. Il a les poils, mais encore largement plus doux. Et puis je trouve il est plus dense, il est plus facile à nettoyer parce que je galère à nettoyer celui de Bare Minerals. Parce que oui, je les ai nettoyés avant de les utiliser la première fois. Ils ne perdent pas du tout leur poil. Et puis, ils diffusent bien la matière, ils estompent bien la matière. Comme tous, hein, d'ailleurs. Hein, le pinceau poudre, voilà, hein, il est super doux. J'avais aussi un Bare Minerals avant, aux alentours des 30€. Et puis, bah, 15€, bah, voilà, quoi. On a vite fait le tour. Hein. Ça fait la moitié moins cher. Pour celui-là, moi, j'ai bien aimé celui du contouring. Parce que je trouve que c'est bien pensé la forme qu'il a pour le contouring, parce qu'on a toujours des pinceaux biseautés, comme pour le blush quoi, ou bien comme celui que j'ai, donc le Marc Jacobs. Mais celui-là, vous voyez, il fait juste la taille pour le... Bon après moi j'utilise que pour faire ici, hein. Après là j'utilise le Marc Jacobs parce qu'il est trop petit pour faire le contouring. Mais j'utilise dans le creux des joues, et puis il pourrait peut-être... Ouais non, pour définir le nez ça va être un peu gros. Mais il est très bien franchement et puis donc voilà, la totale de ma commande là n'empêche ça m'a coûté même pas le prix de mon pinceau Marc Jacobs, hein, donc voilà on a vite fait le tour. Et celui-là donc je l'aime beaucoup,
Je trouve qu'il estompe très bien l'anticerne et il ne perd pas du tout sa couvrance. Tandis que quand on l'estompe au doigt l'anticerne, je trouvais qu'on perdait la couvrance ou bien le correcteur. Tandis qu'avec ça, on ne perd aucune couvrance, ce qui est vraiment génial. Donc j'aime beaucoup ces pinceaux, ils sont très bien. Je les trouve très beaux, ils sont colorés. Ça change quoi, du pinceau noir ou des pinceaux en bois. Je trouve que ça change, je trouve ça original et puis vraiment bien. Franchement, puis leur site, ils vendent pas que des pinceaux, ils vendent aussi tout ce qui est maquillage minéral. Hein, donc vraiment très bien. Donc j'ai décidé de vous montrer leur utilisation donc en live, on va dire. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à me suivre donc sur Twitter, à aller liker ma page Facebook et à vous abonner donc à ma chaîne si ça vous a plu. Et n'hésitez pas donc à aller, je vous mettrai le site en barre d'infos et ici, donc à aller voir le site qui vend ces pinceaux, c'est vraiment... vraiment une tuerie ces pinceaux, moi je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Ça vaut vraiment le coup, la qualité, rapport qualité-prix est énorme. Et franchement, vous ne ferez pas un achat inutile, loin de là, parce que les pinceaux c'est très souvent très cher pour la qualité. Et là, c'est pas le cas, c'est vraiment une très bonne qualité et pas forcément un prix très très élevé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.